فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa permission d'expliquer cet épître de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. La 15e et la 16e leçon, il les a appelées les nobles caractères et les règles de bienséance. Et il a cité un nombre de comportements comme ça, l'un après l'autre, sans les détailler, et un nombre de politesses et de règles de bienséance sans les détailler, que chaque musulman doit observer et respecter. Il a dit, parmi les caractères nobles qu'Allah a institués pour tout musulman, la sincérité. Et effectivement, être sincère, respecter le dépôt, être chaste, pudique, courageux, généreux, loyal, se préserver de tout ce qu'Allah a interdit, respecter les voisins, aider les personnes dans le besoin autant que peut se faire, et autres nobles caractères dont la légitimité est prouvée par le Coran et la Sunna. Donc il a cité ici un nombre de bons comportements et de nobles caractères que chaque musulman doit avoir. Premièrement, la sincérité. Un musulman, il a le contraire des caractéristiques d'un munafiq, d'un hypocrite ou d'un mécréant. Les caractéristiques de l'hypocrite et du mécréant, c'est quoi? Le mensonge. Et il traite de mensonge le message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors le musulman, c'est le contraire. Il est sincère et véridique. Il croit dans le message d'Allah et son messager. Il le traite de véracité. Et lui aussi, c'est quelqu'un de sincère. Il ne montre pas quelque chose qui est contraire à son intérieur, comme l'hypocrite qui a un double visage. Al-nifaq al-akbar, c'est quoi? Dans son intérieur, il cache le kufr, et dans son extérieur, il montre l'iman. Fal muslim, il est véridique. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit du bien des véridiques. Juste après les prophètes, il a nommé les véridiques. Tellement ce sont des gens sincères, qui ne mentent pas, qui leur extérieur est comme leur intérieur. Il n'y a pas de différence entre leur extérieur et leur intérieur. Ils ont atteint ce degré d'être des siddiqin, des véridiques. Et c'est le plus haut degré après les prophètes. Qui avait atteint ce degré? Une parmi les femmes, Maryam. Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant de Isa alayhi salatu wa salam, et sa mère était une véridique. Et qui aussi, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a nommé le véridique. Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu. Naam. Et d'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de sidq, de la véracité, il a dit, il vous appartient d'être véridique et sincère, car la sincérité et la véracité mènent au bien, et le bien mène au paradis. Et la personne ne cesse pas de chercher à être véridique jusqu'à ce qu'il soit nommé auprès d'Allah parmi les véridiques. Et attention aux mensonges. Car le mensonge guide vers le mal.
et le mal mène en enfer. Et la personne ne cesse de chercher à mentir jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah parmi les menteurs. Donc ça, c'est une première caractéristique, un premier caractère noble que chaque musulman doit avoir, c'est d'être sincère et véridique, de ne pas mentir. D'ailleurs, Allah tabarak wa ta'ala a maudit les menteurs. La croyance, c'est basé sur la véracité. C'est le contraire du mensonge. Et celui qui est un menteur, il est faible dans sa foi. Et ce mensonge, il peut le mener très loin dans l'égarement. C'est une caractéristique des munafiqin, l'hypocrisie dans les actes. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ayatul munafiqi thalath », quand il parle, il ment. Mais cette hypocrisie dans les actes, elle peut le mener jusqu'à l'hypocrisie dans la croyance. Une personne, à force d'avoir les caractéristiques des hypocrites, peu à peu, il glisse jusqu'à tomber parmi les mécréants. Allah salamatu ala afiyah. D'ailleurs, tous les péchés, les grands péchés, quand ils sont faits constamment, affaiblissent la foi jusqu'au point où la personne, elle n'est pas loin de passer de l'autre côté, de faire le pas de passer dans le kufr. Donc c'est un danger. Les grands péchés, c'est un danger pour l'iman. Non. Al-amana, le respect du dépôt. On a fait deux khutbas sur ça. On a parlé du contraire de l'amana, qui est quoi? La tromperie, la tricherie et la trahison. Pendant les deux derniers jumu'ah, le jumu'ah dernier et ce jumu'ah. Donc la gravité du contraire de l'amana, de ne pas respecter son dépôt. Et le plus grand dépôt qu'Allah nous ait donné, c'est cette responsabilité, c'est ce din. Comme Allah tabarak wa ta'ala a dit, nous avons exposé, nous avons proposé ce dépôt aux cieux, à la terre et aux montagnes, et ils ont refusé de le porter, ils ont senti que c'était trop lourd pour eux, mais l'homme l'a porté, l'a accepté, innahu kana zaluman jahula, car l'homme est un grand ignorant, un grand injuste, un grand ignorant. Naam. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, qui est un hadith hassan, acceptable, où il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne respecte pas le dépôt n'a pas la foi, c'est-à-dire il n'a pas la foi complète. Et celui qui ne respecte pas ses promesses n'a pas de religion. Non. Respecter le dépôt des gens, respecter les secrets qui nous sont donnés, respecter le pacte qu'on a avec Allah, respecter le pacte qu'on a avec les gens, les contrats. Quand on a un contrat avec une personne, on respecte notre part du contrat. Quand on a un contrat de mariage qu'Allah tabarak wa ta'ala a parlé, mais a appelé un contrat très lourd, un pacte lourd. Et en parlant des femmes, quand Allah ta'ala parle aux hommes, dit que les femmes, elles ont pris de vous un pacte, une promesse très lourde. Pourquoi? Parce qu'on les a rendues halal par la parole d'Allah. Et elles sont chez nous, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que comme des prisonnières. Donc, la personne, il doit respecter sa part du contrat. La femme, elle doit respecter sa part du contrat, faire ses devoirs et demander ses droits à Allah subhanahu wa ta'ala et patienter et demander ses droits avec ce qu'il y a de mieux, la meilleure des manières, s'il y a des manquements de l'autre côté. Et l'époux aussi doit faire ses devoirs et patienter s'il y a des manquements de l'autre côté. De même avec les proches, avec les parents, avec les frères et sœurs, avec les cousins, les oncles, les tantes, les voisins, les contrats qu'on a avec nos employeurs, avec les employés, les contrats dans le commerce, la vente, l'achat. Le musulman se doit de respecter ses contrats. S'il s'est engagé sur une chose qui n'est pas haram, il doit obligatoirement le respecter. La seule chose dans laquelle il ne doit pas respecter, c'est une condition qui rend haram quelque chose de halal. Ou une condition qui rend halal une chose haram. Ça, il ne le respecte pas. Mais en dehors de ça, il doit respecter ses contrats et ses engagements. Le musulman doit être le premier à respecter ses contrats et ses engagements. Parmi les qualités et les nobles caractères qu'il a cités, c'est être chaste. C'est quoi la chasteté? C'est que la personne, elle est loin de toute relation illicite et même de tous ses prémices entre les hommes et les femmes. La personne, elle préserve son honneur et sa chasteté. Et pour cela, il y a des causes. S'éloigner, d'écouter, de regarder ou d'être dans des lieux qui peuvent exciter la passion. S'éloigner, ne pas faire tout ce qui est interdit en islam, c'est-à-dire respecter les relations entre les hommes et les femmes
qui sont étrangers l'un à l'autre. Et les seules relations qu'on a à avoir avec des femmes étrangères ou des hommes étrangers, c'est des relations de nécessité avec des conditions. S'il y a un besoin de parler avec une femme étrangère parce qu'on vend, on achète, on parle le juste nécessaire avec politesse. Et la femme aussi, elle n'embellit pas sa voix. Et on ne doit pas être seul dans un endroit avec elle. Et l'islam a interdit tout ce qu'il peut amener au haram, mener au haram, comme le fait de toucher une femme étrangère ou qu'elle nous touche. Serrer la main, par exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je préfère qu'on me transperce le crâne avec une pointe de fer plutôt que de toucher une femme qui m'est étrangère. » Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les femmes venaient lui faire bay'a, acte d'allégeance, lui, il tendait la main à tous les hommes. Mais les femmes, il lui tendait pas la main. Même si elle était âgée. Âgée ou jeune, il ne serrait la main à personne parmi les femmes. Et il disait, j'accepte le bay'a des femmes par la parole. Elles n'ont pas besoin de me faire bay'a avec la main. Aujourd'hui, on a des chouyours soufis qui viennent et touchent les jeunes filles. Je vais te faire bay'a, je vais te faire baraka, je vais te faire la baraka. Shaitan. La bay'a, c'était au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien au dirigeant des musulmans. C'est la seule bay'a qu'on doit faire. Le gouverneur, on lui fait bay'a, on lui fait acte d'allégeance de l'obéir dans l'obéissance d'Allah. Mais faire bay'a à des hommes en dehors des dirigeants des musulmans, c'est une bid'a. Alors que dire de ceux qui profitent de cela pour mettre les gens en esclavage et aller toucher des jeunes femmes, soi-disant, et lui mettre la baraka. A'udhu billah. Naam. La pudeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant de la pudeur n'amène que du bien. D'ailleurs, la pudeur, c'est le fait de ne pas dire des paroles ou faire des actes ou même des pensées qui sont contradictoires à aux bonnes mœurs ou qui nous mettent dans une position gênante. Mais aujourd'hui, subhanallah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que l'on a pu retirer des paroles des prophètes antécédents, si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. La personne qui n'a pas de pudeur, il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a rien qui le freine. La personne, elle peut être presque nue devant toi, ça ne le gêne pas. C'est toi que ça gêne. Mais lui, ça ne le gêne pas. Maintenant, c'est le contraire. Ça les gêne de voir des gens pudiques. Quand ils voient une femme couverte, ça les dérange. C'est pas elle qui est gênée de voir les jambes à l'air, mais elle est dérangée de voir une personne couverte. C'est le monde à l'envers. Ça veut dire le mal, c'est devenu bien, le bien devenu mal. Quand on entend ça, déjà des kafirates, des mécréantes, déjà c'est étonnant, parce que la pudeur, c'est une caractéristique qui est naturelle chez tous les êtres humains. Mais quand on entend ça de gens, de musulmans, c'est encore plus étonnant. Des musulmans ou des musulmanes qui viennent critiquer des sœurs parce qu'elles sont couvertes complètement, ou qui viennent dire ça n'existe pas dans l'islam alors qu'elle, elle est habillée serrée du haut à la tête jusqu'à qu'elle ne peut plus respirer. Non. Ça, c'est étonnant. Nasallahu salam wa ta'ala. Naam. Allah al-musta'an. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la foi, elle est de 73 et quelques branches. Son plus haut degré, c'est la parole la ilaha illallah. Son plus bas, c'est de retirer une chose qui gêne sur le chemin des passants. Et el haya'u min al-iman. Et la pudeur fait partie de la foi. Comme on voit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de la foi, a cité trois sortes d'actes. Une qui est une parole, un autre qui est un acte du corps, et une autre qui est un acte du cœur. Ce qui prouve que la foi, ça englobe les trois. La parole, ce qu'il y a dans le cœur et ce que les membres font. Il a dit le plus haut, c'est une parole. La ilaha illallah. Le plus bas, retirer quelque chose qui gêne sur le chemin. C'est une œuvre faite par les membres. Il a dit min al-iman. Ça fait partie de la foi. C'est une branche de la foi. Et il a dit al-haya'u min al-iman. Et la pudeur, c'est un acte du cœur. Donc on voit dans ce hadith qu'il a réuni entre les trois. C'est pour ça, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, les gens de la Sunna disent al-iman, c'est ce qu'il y a dans les cœurs, qui est dit par la langue et ce qui est fait, pratiqué par les actes. L'un ne peut pas se passer de l'autre. Comme il a dit l'imam Shafi'i. L'un ne peut pas remplacer l'autre. Les trois sont essentiels pour l'iman.
D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de la fin des temps, il a dit, il va venir des femmes qui sont habillées mais nues. Elles sont habillées mais nues. Et les savants ont expliqué cela. Qu'est-ce que c'est habillé mais nues? C'est-à-dire qu'elles sont habillées de sorte à ce qu'on voit leurs membres à travers. Ou bien ce qu'elles mettent est large et transparent, ou bien c'est moulant et opaque. Dans les deux cas, ces gens-là sont concernés par ce hadith. Car on voit à travers, le vêtement est fait pour cacher ce qu'il y a derrière, pas pour cacher la couleur de la peau, cacher aussi la forme du corps. Si on voit la taille du bras, comment il est épais ou il est fin, si on voit la taille de la taille ou de la poitrine ou des jambes, alors il n'y a rien qui est caché. C'est pour ça, parmi les conditions du hijab shar'i, le hijab, c'est pas le fait de mettre quelque chose sur sa tête. Le hijab, c'est de couvrir tout ce qui doit être couvert. C'est qu'il soit ample et qu'il ne soit pas transparent, qu'il soit opaque. Qu'il ne doit pas être en lui-même un embellissement, quelque chose qui attire le regard. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de ces femmes, a dit, elles n'entreront pas au paradis et elles n'en sentiront même pas l'odeur. Et pourtant, l'odeur du paradis, il se sent à temps et temps. Car ceci est contraire à la pudeur. De même, des hommes qu'on voit habillés de manière indécente, de pantalons tout moulants, où on voit toutes leurs formes, alors qu'Allah a ordonné de cacher certaines parties. Allah nous a donné des vêtements pour cacher notre nudité, non pas pour la mettre en valeur. Non. Donc, parmi la chasteté, ce n'est pas seulement les gens qui disent « je suis chaste », c'est-à-dire qu'elle ne fait pas la fornication avec un autre homme. Il y a tout ce qui va avant, ce qui mène à la fornication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « chaque partie du membre du corps, il a sa part de fornication. L'œil, il a sa part de fornication, c'est le regard. La main, elle a sa part de fornication, c'est le toucher. » Donc chaque partie du corps, quand la personne il ne les préserve pas, alors on ne peut pas dire qu'il est vraiment chaste. C'est pour ça Allah Ta'ala a dit, il dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Donc regardez comment ça va ensemble. Préserver la chasteté, c'est en baissant le regard. Et dit aux croyantes de baisser leur regard et de préserver leur chasteté et de ne montrer que leurs atours, que ce qui est apparent, c'est-à-dire le vêtement. Elle ne peut pas cacher son vêtement. Elle a son vêtement. Le vêtement aussi, il faut le cacher. Le vêtement, c'est pour cacher ce qu'il y a en dessous. Barakallahu fikum. Al-haya. Parmi les qualités nobles qu'il a citées, al-shaja'a. Le courage. Le croyant, il est courageux. Et c'est en Allah qu'il place sa confiance. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant fort est meilleur et plus aimé chez Allah que le croyant faible. Et dans les deux, il y a du bien. Dans les deux, il y a du bien, c'est-à-dire dans les deux, il y a la foi. Donc même s'il est faible, ça reste un croyant, alhamdoulilah. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, demande avec force, avec vigilance ce qui est profitable pour toi. Et prends appui auprès d'Allah et ne faiblis jamais. Et si une chose te touche, ne dis pas, si seulement j'avais fait ça, si seulement j'avais fait ça, mais dis, voici la destinée d'Allah et ce qu'il a voulu, il l'a fait. Et ne dis pas si, car en disant si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, tu ouvres la porte des actes de shaitan, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le croyant, il s'en remet à Allah, il est fort avec Allah, et il ne faiblit jamais. Et si un mal le touche dans le chemin, il dit Allah l'a destiné ainsi, ce qu'il a voulu, il l'a fait, et il continue, il se relève. Et il s'en remet à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus courageux des hommes. Quand ils étaient dans le combat, les compagnons radiallahu anhum disaient, quand le combat faisait rage, on allait tous proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'était lui le plus fort, le plus courageux. Quand on s'approchait de lui, ça nous donnait de la force. On le voyait comment il était courageux. Nous aussi, ça nous encourageait à combattre mieux, sallallahu alayhi wa sallam. Être courageux, ça ne veut pas dire être brutal. Être courageux, être fort, cela ne veut pas dire terrasser ses adversaires. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fort, ce n'est pas celui qui terrasse ses adversaires. Mais le fort, c'est celui qui se maîtrise au moment de la colère.
Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui avale sa colère alors qu'il est capable de la mettre en pratique, c'est-à-dire il a toute la force, c'est pas par peur qu'il ne se venge pas, il est capable de se venger. Mais pour Allah, il ne se venge pas, il avale sa colère. Allah lui fera choisir le jour du jugement dernier parmi les hurna'in, celle qui veut. Donc la force, c'est ça. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il était fort, il était courageux, mais ce courage, il le poussait au bon caractère, au noble caractère. D'ailleurs, une fois, quelqu'un est venu lui demander de l'argent, un peu fort. Il lui a tiré son manteau, il l'a marqué sur son cou. Et il y en a, ils sont venus, des bédouins, ils l'ont poussé. Et donne-nous de l'argent qu'Allah t'a donné, donne-nous de l'argent qu'Allah t'a donné. Jusqu'à que son manteau, il s'est accroché à un arbre épineux. Il a reculé. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit, je ne suis ni peureux, ni avare. Si j'avais une chose qu'Allah m'a donnée, je vous en donnerais. Mais c'est pas par peur que je vous donne. Je vous donne parce que je ne suis pas avare. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était courageux et il était généreux. Alayhi salatu wassalam. Et le courageux, c'est celui qui fait face aux difficultés et il s'en remet à Allah. Il ne se cache pas, il ne met pas des gens devant lui. Allez, vas-y toi. Dans les choses difficiles, il envoie les gens, lui il se cache. C'est le premier. Et c'est le premier à accepter aussi ses erreurs. Il fait face à ses erreurs. Parce que qu'est-ce qui pousse au mensonge? C'est le manque de courage. Quelqu'un, il a peur des conséquences, donc il ment. Et les Arabes, c'est pour ça qu'ils ne mentaient jamais, même avant l'islam. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter ça moralement. Pour eux, ils disent, si je mens, c'est que je suis un peureux. Ils disaient, comment? Il ne peut pas dormir tranquille. Il dit, je suis un peureux, moi. Il n'arrive pas à dormir tranquille en pensant qu'il est peureux de lui-même. Donc, il disait la vérité. Et aussi, le courage. C'est une qualité essentielle parce qu'elle pousse à dire la vérité, elle pousse à être toujours le premier à faire les bonnes actions, elle pousse à faire face aux difficultés de la vie et elle pousse à être généreux et à ne pas avoir peur de la pauvreté. Donc après le courage, je cherche justement à citer Al-Karam. Pourquoi il a cité la générosité juste après le courage? Car c'est lié. La générosité, c'est lié au courage. Quand tu es courageux, tu n'as pas peur de la pauvreté, tu es généreux. Tu ne dis pas non. Tu dépenses, tu donnes à ceux qui sont à ta charge, à tes parents, à tes proches, aux voisins, aux musulmans. Tu donnes, tu es généreux avec tes invités. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas plus généreux que lui. Et quand il venait le mois de Ramadan, il était encore plus généreux. Une fois, il est rentré chez lui, il est entré chez lui. Et Aïcha radiallahu anha lui a dit, on avait un mouton. Je l'ai donné en entier, il ne reste plus rien sauf l'épaule. Et lui, il a dit, non, tout n'est pas parti, tout est resté sauf l'épaule. Ce que tu as donné, fils Abillah, c'est ça qui est resté auprès d'Allah. L'épaule, on va le manger, ça ne va pas rester. Non. Quand ils ont eu des richesses, il a donné aux gens qui étaient attachés à l'argent pour que ces gens-là, ils acceptent l'islam. Mais après, quand ils sont entrés en islam, ils ont aimé l'islam plus que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été touchés par cette qualité aussi. Il a été rapporté qu'Abdullah ibn Omar a reçu un don de 17 000 dinars d'or le soir. Le matin, les gens, ils l'ont trouvé au marché en train de demander qu'on lui prête un dirham d'argent pour acheter du pain. Ils ont dit, il se moque du monde, lui. Il avait 17 000 dinars hier soir qui sont arrivés chez lui. Quand ils sont allés se renseigner, il n'a pas laissé la nuit passer avant de tout dépenser, fils Abilillah. Et on connaît l'histoire avec Othman ibn Affan, combien elle a dépensé pour les musulmans. Et Abu Bakr al-Siddiq qui a donné tout ce qu'il avait, il n'a rien laissé pour Allah et son messager. On connaît l'histoire de la personne qui a sacrifié la nourriture de sa femme et de ses enfants pour nourrir un invité. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah s'est étonné de la manière dont tu as reçu ton invité hier.
Voilà comment était la générosité. Et des histoires sur la générosité des Sahaba et des, comment ils sacrifiaient pour leurs frères et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il y a des livres entiers sur ça. Après, Al-Karam, il a cité Al-Wafa, la loyauté. Et on avait déjà parlé du sens de la loyauté dans Al-Nusr. Il y a le sens loyauté et conseil. Et le wafa, c'est proche aussi, c'est d'être loyal. Donc le musulman, il est loyal, il ne trahit pas. Il ne trahit pas Allah, il ne trahit pas son messager, il ne trahit pas sa religion, il ne trahit pas les musulmans, il ne trahit pas ses amis, il ne trahit pas, il ne trompe pas sa femme, elle ne trompe pas son mari, il ne trahit pas le secret, il est loyal. Il veut le bien pour toi comme il le veut pour lui-même. Parmi les qualités, c'est le fait de s'éloigner de tout ce qu'Allah a interdit. Donc là, il a donné en général, il n'a pas détaillé tous les mauvais comportements, toutes les mauvaises paroles, etc. Puis il a parlé aussi de husnul jiwar, de bien se comporter avec son voisin. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Wallah n'est pas croyant, Wallah n'est pas croyant, Wallah n'est pas croyant, celui dont son voisin n'est pas à l'abri de son mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit bon envers ses voisins. Le voisin, si c'est un musulman proche, il a trois droits. Il a le droit de la proximité dans les liens de sang, les lois, les droits de l'islam et les droits du voisinage. Si c'est un musulman qui n'est pas de notre famille, il a deux droits. Le droit de l'islam et le droit du voisinage. Et si c'est juste un voisin qui est kafir, alors il a au moins les droits du voisinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril m'a tellement enjoint sur le voisin, il m'a tellement parlé du voisin, que j'ai cru qu'il allait lui donner une part de l'héritage. Parmi les choses que Cheikh a citées, il y a le fait d'aider toutes les personnes qui sont dans le besoin, selon la capacité. Toute personne qui a un besoin. Le fait de l'aider dans son besoin. Son besoin, il est financier, tu l'aides financièrement. Il a besoin d'un conseil, tu lui donnes des conseils. Il a besoin que tu l'accompagnes faire quelque chose, un bien dans le licite, tu l'accompagnes, tu l'aides selon tes capacités, selon ton besoin. Et tout ceci sont des actes qui sont aimés par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et toutes les autres qualités et les nobles caractères qui sont cité dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci, c'est ce que Cheikh a cité. Donc, ceci, barakallahu fikum. Les gens de la sunna et du consensus, les gens qui suivent les salaf salih, les sahaba et ceux qui les suivent, ça doit être ils doivent être les premiers à mettre en pratique ces nobles caractères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Tirmidhi et qui est un hadith acceptable. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, vos biens ne seront jamais assez suffisants pour répondre aux besoins des gens. Faites donc en sorte que votre visage avenant et votre noble caractère leur suffisent. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les besoins des gens, on ne pourra jamais les combler avec nos biens. Ils ont beaucoup de besoins. Mais au moins, il y a une chose avec laquelle on peut combler leurs besoins, c'est d'avoir un visage avenant, souriant, plaisant et un noble caractère. Une personne qui est dans la difficulté, qui est dans le besoin, qui est dans des épreuves, quand tu l'accueilles avec un sourire, avec un visage avenant et avec un noble caractère, rien que ça, tu lui as donné une sadaqa. C'est une sadaqa. Alors j'enjoins mes frères et mes sœurs en Allah. Surtout les gens qu'on montre du doigt, c'est-à-dire les gens qui sont un peu plus avancés dans leur pratique, qui se revendiquent clairement de la sunna, de faire un effort sur leur caractère et sur leur comportement. Car les gens du commun, que ce soit les mécréants ou que ce soit les musulmans qui ont la foi faible, ne sont pas touchés par tes adorations. Ils ne les voient pas, tes adorations. Elles ne sont pas touchées par ta croyance entre toi et Allah et ton amour de la sunna. Ça, ils ne le voient pas. Mais ils voient l'amour de la sunna en toi si tu te comportes comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu mets en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ton comportement.
Si tu accueilles les gens avec un sourire, c'est tellement simple de faire juste plier ses lèvres. Tu plies tes lèvres. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est pas quelque chose de compliqué. Mais aujourd'hui, subhanallah, c'est rare. Jusqu'au point où c'est devenu une qualité quand on trouve quelqu'un qui est souriant, on dit, ah, celui-là, mashallah. C'est devenu une exception. Tellement tout le monde fait la tête. Tous ceux que tu rencontres, ils font la tête. Un sourire, c'est une sadaqa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne méprise rien parmi les bonnes actions. Ne serait-ce que rencontrer ton frère avec un visage avenant, un visage détendu. Donc, barakallahu fikum. La bonne croyance et la bonne pratique, elle a des bons fruits. Ces bons fruits-là, ils doivent se voir sur notre caractère et sur nos mœurs. Et Shaitan, il fait l'effort. Shaitan fait l'effort sur les gens qui représentent la sunna plus que sur les autres. Parce que tout le monde les regarde. Donc, il va faire l'effort sur les gens qui parlent toujours des gens aux gens de la sunna pour qu'ils s'énervent plus facilement, pour qu'ils soient moins avenants, qu'ils soient sur les nerfs. Parce que tout le monde le regarde. Donc, comme le travail de Shaitan, c'est de repousser les gens de la sunna, alors comment il va faire? Il va faire montrer les défauts des gens de la sunna. Comme les gens sont faibles, ils n'acceptent pas la vérité pour la vérité. Les gens, ils regardent beaucoup les autres. Ah oui, mais pourquoi lui, il fait ça? Pourquoi lui, il fait ça? Eh, pourquoi lui, il fait ça? C'est pas ton problème. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour Allah? Regarde pas qu'est-ce que lui, il fait. Les gens, ils ne font pas des bonnes actions et ils prétextent. Oui, mais l'autre, là, il va à la mosquée et en plus, c'est un voleur. Alors moi, je vais pas à la mosquée. Taïb, lui, va à la mosquée, c'est un voleur. Toi, va à la mosquée et vole pas. Barakallahu fik. Ah oui, lui, il met la sunna, mais en plus, il ment. Et toi, mets la sunna et ne ment pas. C'est pas parce que certains sont manquants qu'il faut s'empêcher de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit en apparence, dans les actes apparents, dans les actes cachés, dans la croyance, dans la pratique, dans les comportements, dans toute chose. Et le comportement, c'est important. Toute personne aime les gens éduqués et d'un bon comportement. Même si c'est un kafir. Un kafir qui a un bon comportement, tu le respectes. Au moins. Si tu le détestes pour Allah, mais au moins tu le respectes. Parce qu'il te respecte. Et un musulman qui est de la même foi que toi, le même chemin que toi, dans la sunna, mais il a un mauvais comportement, tu t'éloignes de lui. Tu n'arrives pas à supporter, à rester avec lui parce qu'il te fait... C'est comme un fruit épineux. À chaque fois que tu t'approches de lui, ça pique, ça fait mal. Ou il va te faire mal avec une parole, ou avec un geste, ou quelque chose. Fabarakallahu fikum. Le musulman, surtout celui qui est dans la sunna, les sœurs, les frères, ils doivent faire très attention d'avoir les meilleurs comportements possibles. Pour eux, avant que ce soit pour les autres. Pour eux déjà. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une chose qui pèse plus lourd dans la balance le jour du jugement dernier, que le bon comportement. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la chose qui fait entrer le plus les gens au paradis, c'est deux. La crainte pieuse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et le bon comportement. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donné cet ordre-là aussi. Crains Allah là où tu es, et fais suivre la mauvaise action par la bonne, elle l'effacera. Et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement, de la meilleure des manières. Au début de l'islam, comment l'islam s'est répandu? Vous croyez qu'il y avait internet? Vous croyez que les gens, ils avaient mis les durous de Cheikh Intel et Cheikh Intel sur internet, ils les ont envoyés en Inde et en Indonésie et au Pakistan et au Maghreb? Non. La plupart des pays qui sont entrés en islam, ce n'est pas par l'épée. C'est par le comportement des commerçants musulmans. Parce qu'ils étaient véridiques, parce qu'ils ne trichaient pas, parce qu'ils étaient des gens loyaux, parce qu'ils aimaient la guider pour les gens. Et ils espéraient cette guider pour les gens. Parce qu'ils mettaient en pratique dans leur vie la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Combien, tout ce qui est du côté de l'Asie, la plupart du côté de l'Asie sont entrés en islam par les commerçants. Les commerçants du Yémen qui avaient été vers l'Inde, etc. Ou vers l'Indonésie, vers tout ce coin-là. Maintenant, le plus grand... Le pays où il y a le plus de musulmans dans le monde, c'est l'Indonésie. Ah. Donc, le cheikh a cité tous ces comportements-là et d'autres.
Il convient donc à chaque musulman d'être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le prendre comme exemple. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on a demandé comment était son comportement et sa morale, qu'est-ce qu'elle a dit à Aïcha ? Kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement était comme le Qur'an, était la mise en pratique du Qur'an. D'ailleurs, j'en profite pour signaler un hadith qui n'existe pas. Quand les gens disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un Coran qui marche, ça n'existe pas, cette parole. Et dire ça, c'est faux, parce que le Coran, c'est la parole d'Allah. Donc dire que le prophète était le Coran qui marche, c'est comme si on avait transformé la parole d'Allah, une des qualités d'Allah, en créature. Donc c'est faux de dire ça dans la croyance. Et d'ailleurs, c'est un hadith qui n'existe pas. Non. La 16e leçon, c'est sur les règles de bienséance. L'adab al-islamiyya. Il a parlé dans l'adab. وَمِنْهَا السَّلَامِ. C'est un rite. Premièrement, il faut que les musulmans apprennent à passer le salam comme il faut. Comme l'islam nous l'a appris. Assalamu alaikum. Pas sabah al-khair, sabah al-nour, kaydir, je ne sais quoi. Ça, c'est en plus. Tu veux le dire en plus. Mais la première chose, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est encore mieux. Et d'ailleurs, ça fait partie des règles de politesse. Et c'est recommandé de passer salam à tout musulman. À ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un des signes de la fin des temps, c'est taslim al-khas, de passer le salam qu'à ceux qu'on connaît. Alors que le musulman, normalement, il passe le salam à tous les musulmans. Il a été rapporté qu'Ibn Omar allait au marché et on lui dit, pourquoi tu viens? Tu viens, tu ne veux pas acheter, tu ne veux pas vendre. Il a dit, je viens pour passer le salam. Il allait au marché pour passer le salam aux musulmans. Et salam, c'est une dua. Tu demandes que la personne, elle soit préservée. Assalamu alayka, c'est-à-dire qu'Allah te préserve de tout mal. C'est ça, assalamu alayka. Qu'il te protège. Donc c'est une dua que tu fais pour ton frère ou pour ta sœur. Et le minimum, c'est de dire assalamu alayka ou assalamu alaykum ou assalamu alayki, alaykuma. Ça, c'est selon les personnes que tu as en face de toi. Il est permis de dire assalamu alaykum, même si c'est une seule personne qui est en face de toi. Mais le plus juste, c'est pour ceux qui connaissent l'arabe, de mettre le pronom approprié à la personne que tu parles. Mais il n'y a pas de mal de dire à tout le monde assalamu alaykum. Si on ne sait pas mettre le pronom approprié en arabe, on risque de faire des catastrophes. Donc, vaut mieux rester sur assalamu alaykum. Sinon, tu vas dire à un homme, salut à toi, madame, en disant assalamu alayki. Et tu vas dire à une femme, assalamu alayka, alors que c'est une femme, c'est comme si tu disais, salut à toi, monsieur. Donc, il y a un problème. Non. Pareil. Quand on écrit aussi, alors je vois beaucoup ça dans les messages. SLMKDWB. C'est quoi ça? SLMKWB. Oh. On est en langage morse. T'écris rien, t'envoies directement. Comme sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas permis d'écrire sad, lam, etc. Ou d'écrire juste S, W, je ne sais quoi. Ou bien tu ne l'écris pas. Au moment de citer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis sallallahu alayhi wa sallam et tu ne l'écris pas. Tu as le droit. Tu le dis avec la langue. Ou bien si tu l'écris, tu l'écris en entier. Et on doit le dire à voix assez haute pour que la personne, elle nous entende. Et la personne, elle doit répondre au moins de la même manière. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit, quand on vous passe le salut, alors répondez d'une meilleure manière ou au minimum, répondez de la même manière. Donc si quelqu'un te dit assalamu alaykum, le minimum, tu lui réponds wa alaykum assalam. S'il te dit assalamu alaykum wa rahmatullah, tu dis wa alaykum assalam wa rahmatullah. S'il te dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Au minimum. Mais le mieux, c'est de répondre mieux. S'il te dit assalamu alaykum, tu réponds wa alaykum assalam wa rahmatullah. S'il te dit assalamu alaykum wa rahmatullah, tu dis wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il te dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, tu dis wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Ça a été rapporté. Il y a divergence sur cette ziyada. Certains muhaddithines disent qu'il est faible. Cheikh l'Albani voit que c'est correct, c'est acceptable. On peut rajouter « wa maghfiratu »
Mais c'est seulement dans la réponse. Dans le salut, quand on passe le salut, on ne dit pas Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Ça n'existe pas quand on passe le salut. Juste dans la réponse. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les vertus du salam. Et que le fait de passer le salam, ça augmente la fraternité entre nous. Et ça lie les liens de fraternité entre les musulmans. Et qu'à chaque fois qu'il se passe le salam, c'est 10 hasanat, tu dis assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah, 30. 20 hasanat, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, 30. Donc voilà ces hasanat-là, pourquoi on passe à côté. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand deux musulmans, on lui a demandé au messager d'Allah, quand deux musulmans se croisent, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils s'inclinent l'un devant l'autre? Est-ce qu'ils se prennent dans les bras? Il a dit non, ils se serrent la main. Ils se serrent la main. Donc, quand on rencontre notre frère musulman ou notre sœur, on se serre la main. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand on se serre la main, les péchés tombent. Quand on se serre la main, les péchés tombent comme des feuilles d'arbre. Donc quand on rentre, on dit par exemple, on rentre dans une assise, on dit assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à tout le monde. Après, quand on va revoir chacun, on ne redit pas assalamu alaikum, ça y est, on a dit salam. On leur serre la main, là on peut leur dire comment tu vas, ça va, la baisse, bikhir, kedir, etc. Là ça peut y aller. Non, on ne redit pas assalamu alaikum. Puisqu'on a déjà dit salam, on ne redit pas une deuxième fois salam. Cette fois, on peut lui demander comment vas-tu, ça va bien, etc. Voilà concernant le salam. D'ailleurs, il est interdit de ne pas dire salam à un musulman plus de 3 jours. Sinon, Allah Ta'ala n'accepte pas les actes de ces deux-là jusqu'à qu'ils se reparlent. Sauf si c'est un hajr shar'i. Sauf si c'est une quarantaine légiférée en islam. C'est-à-dire qu'on le met en quarantaine pour une cause légiférée en islam. Parce que c'est un mubtadi', c'est un innovateur. Ou parce que c'est il a fait des grands péchés en public et on s'est tous mis d'accord de le mettre de côté, par exemple. Ça, on peut le faire. Mais sinon, s'il n'y a pas une cause légiférée en islam de ne pas passer salam, alors il ne faut pas rester 3 jours sans passer salam à ses frères en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne parle pas à son frère musulman pendant 1 an, c'est comme s'il a fait couler son sang. C'est comme s'il a fait couler son sang, comme s'il l'avait tué. Non. Donc les seules conditions, c'est de ne pas lui passer salam, ce serait al-hajr al-mashrua. Al-Hajr, c'est l'exil. Quand on exile quelqu'un pour une cause légiférée en islam. Et l'exil, il a des conditions. Les conditions, c'est que la chose que la personne a faite est une chose pour laquelle il mérite l'exil. Un, c'est pas à toi, t'as décidé qu'il méritait l'exil comme ça. Deux, il faut un intérêt dans l'exil. Quel est l'intérêt? Ou bien l'intérêt pour toi, ou bien l'intérêt pour lui, ou l'intérêt pour les deux. L'intérêt pour toi, c'est que cette personne, tu as peur d'être influencé par elle en mal. Donc tu l'exiles pour te protéger de son mal. Ça, c'est mashrou'. L'intérêt pour lui, c'est que ça lui donne une leçon, qu'il est mis de côté. Donc ça le pousse à réfléchir que ce qu'il a fait, ce n'était pas bien. Donc s'il y a un de ces deux intérêts, ou bien les deux intérêts réunis, ou il y a un troisième intérêt, l'intérêt pour la Oumma, que quand tu l'exiles, les gens ils savent que c'est quelqu'un de mauvais, donc il faut s'éloigner de lui. Donc si un de ces trois intérêts est présent, c'est légiféré de l'exiler. Un de ces trois intérêts ou les trois réunis ensemble? Non. Ou deux d'entre eux, le mohim. Si un seul est présent, c'est suffisant pour pouvoir l'exiler. C'est suffisant pour pouvoir l'exiler. Mais pour cela, il faut demander aux gens de science. C'est eux qui peuvent peser le pour et le contre, l'intérêt et le méfait, et savoir s'il y a plus d'intérêt dans tel ou tel cas d'exiler la personne ou non. Quand les gens de la sunna sont en faiblesse, parfois il n'y a pas d'intérêt à exiler, car ils sont peu. Parfois il y a un intérêt, parfois il n'y a pas d'intérêt. Il faut voir cela en détail, inshallah, mais il y a des règles autour de ça. Donc en dehors du cas où on exile quelqu'un, il n'est pas permis de ne pas lui passer salam. Non. Donc il a parlé dans l'adab al-islamiyya al-salam, al-bashasha, on en a parlé tout à l'heure, al-bashasha, le fait d'être souriant. Donc on a parlé des hadiths, le fait d'être souriant, que le fait de sourire au visage de ton frère, c'est une sadaqa. Le fait de manger de la main droite et de boire de la main droite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de manger et de boire de la main gauche. Il a dit que c'est shaytan qui mange et qui boit de la main gauche. Et d'ailleurs, il a vu une personne manger de la main gauche, lui dire « mange de ta main droite ».
Il lui a dit, je ne peux pas. Il lui a dit, mange de ta main droite. Il a dit, je ne peux pas. Il lui a dit, mange de ta main droite. Il a dit, je ne peux pas. Il a dit, tu ne pourras plus. Cette personne, il a eu la main handicapée. Il ne pouvait plus la lever. À cause du fait qu'il a désobéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Bien sûr, il a les darura. Quelqu'un, il a la main droite cassée ou il ne peut pas manger avec la main droite. Ça, c'est une nécessité. On ne peut pas le... Non. L'important, c'est de manger et de boire de la main droite. Après, si quelqu'un est gaucher pour écrire, pour autre chose, là, ishkal, inshallah, il n'y a pas de mal en cela. Mais au moins, manger et boire, ça doit se faire de la main droite. Et les choses mauvaises, comme se nettoyer quand on fait ses besoins, etc., ça se fait de la main gauche. Parmi les choses qu'il a citées dans l'adab al-islamiyya, dans les règles de bienséance islamiques, c'est le fait de respecter les politesses quand on entre à la mosquée, quand on en sort, quand on sort de chez nous, quand on rentre chez nous, quand on va en voyage. Donc tout cela, il y a des règles. La manière de rentrer à la mosquée, la manière de se comporter à la mosquée, le fait de faire 2 unités de prière avant de s'asseoir, toutes les règles liées à la mosquée, le fait qu'on ne parle pas de excessivement de dunya à la mosquée, qu'on ne fait pas de la vente et de l'achat dans la mosquée, le fait qu'on ne on ne fait pas l'appel à quelque chose qu'on a perdu à la mosquée, etc., etc. Le fait de faire la dua, les invocations, quand on entre à la mosquée, quand on sort de la mosquée, quand on entre chez soi, le fait de faire la dua. Allahumma inni as'aluka khayra al-mawlidi wa khayra al-makhrajni, bismillahi kharajna, bismillahi wajna, wa allahi rabbina tawakkalna, bismillah, salamu alaykum wa rahmatullahi, rentre du pied droit, et là, shaitan n'entre pas avec lui. Si tu dis pas bismillah, shaitan il vient. Il entre avec toi. Et si tu dis pas bismillah en mangeant, il mange avec toi. Et si tu dis pas bismillah quand tu fais les choses, toutes choses où il y a besoin d'énoncer le nom d'Allah, à chaque fois, shaitan il est là avec toi. En sortant aussi, une doua très importante que les gens ne disent pas en sortant de chez eux. Bismillah, tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, je m'en suis remis à Allah et il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Celui qui fait cela, il est protégé du mal. Et shaitan, il s'écarte de sa route. Ça, c'est des doua qui sont très importantes à dire. Mais la plupart d'entre nous, on est rafiline, on est dans l'insouciance, etc., etc. Les doua en rentrant aux toilettes, les doua en sortant des toilettes. Toutes ces politesses, les politesses à respecter, les dhikrs du matin, les dhikrs du soir, les politesses dans les habits, les politesses dans la façon de marcher. Dans chaque chose, l'islam est venu, alhamdulillah, comment on qada'u al-hajja, comment on fait ses besoins en islam. Toutes ces choses-là, l'islam est venu nous donner des règles de bienséance en toutes ces choses-là. Donc on les apprend, on les met en pratique. La manière de dormir, les politesses dans le sommeil, toutes choses, alhamdulillah. Le voyage, quand on part en voyage, il est mieux d'être accompagné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une personne qui est seule en voyage, c'est un shaitan. 2 personnes ensemble, c'est 2 shaitans. Et 3, c'est 1 groupe. Et le meilleur groupe, c'est 4, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. De même, il a interdit de dormir seul et de voyager seul. Si quelqu'un, sans raison valable, sans nécessité, il habite pas tout seul, il dort pas tout seul. Il reste chez ses parents. Pourquoi il va habiter tout seul sans nécessité? Pourquoi? Pour que shaitan, il soit avec lui. Tant que quelqu'un, il a pas besoin, il reste avec ses parents. Ça, on parle déjà d'un homme. Alors imaginez-vous une femme. Ça, c'est la France, c'est incroyable. J'habite toute seule. Et tes parents, ils sont, je sais pas, ils sont à l'autre bout de la terre. Elle est toute seule en France ici. Allahu Akbar. Pas d'oncle, pas de père, pas de rien, pas de wali. Après, ils viennent te voir, oui, il me faut un wali pour me marier maintenant. Donc, barakallahu fikum. Comment une femme, elle reste loin de sa famille, elle est toute seule? Sauf la nécessité. Quelqu'un, elle a pas de famille. D'accord. Quelqu'un, elle a personne pour l'accueillir. D'accord. Mais sinon, on reste avec sa famille. Sauf s'il y a une incompatibilité. Si on est avec une famille de kuffar ou une famille de fasiqin, de pervers, et on ne peut pas habiter avec eux, ça nuit à notre religion, ça c'est autre chose. Mais sinon, l'asl, c'est que la personne, elle ne reste pas seule. Elle est toujours accompagnée. Car une personne seule, c'est toutes les portes ouvertes à shaitan. Naam. Les dernières questions qui m'arrivent là actuellement, c'est des sœurs qui veulent voyager, étudier l'ilm seules. Déjà, les hommes, j'ai peur pour eux. Les hommes qui vont pour aller étudier l'ilm seuls, j'ai peur pour eux. Alors, une femme, des femmes qui veulent aller voyager toutes seules, étudier l'ilm à l'étranger. Allahu Akbar. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, barakallahu fikoum. Ça se voit que c'est des gens qui n'ont pas
qui ne sont pas imprégnés des enseignements de l'islam. L'ihsan ma'al walidain wal aqarib wal jiran wal kibar wal sighar. Le fait d'être bon avec les parents. Bien sûr, vous connaissez tous la place des parents en islam. Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. On doit leur obéir en tout sauf dans la désobéissance d'Allah. On doit être à leur service tant que cela ne nous nuit pas. S'ils t'ordonnent une chose que tu es capable de le faire, il faut le faire. Sauf s'ils ordonnent une chose interdite ou ils t'interdisent une chose autorisée ou obligatoire. Ils ne doivent pas aussi t'imposer quelque chose qui est au-dessus de ta capacité. Et t'interdire une chose qui ne leur fait pas du mal. Par exemple, un enfant, il veut étudier la science. Eux, ils n'ont pas besoin de cet enfant. Ils sont assez, alhamdoulilah, en bonne santé. Ils se passent de lui. Ils n'ont pas besoin de lui pour dépenser pour eux, etc. Ils l'empêchent d'aller étudier la science. Ça, c'est pas, c'est birir haq. Ça, c'est son droit, ça, de faire cela. Mais dans le reste, on doit leur obéir, être à leur service et faire le maximum pour qu'ils soient satisfaits de nous. De même, les proches des parents, les oncles, les tantes, les grands-parents, les frères, les sœurs, tous ceux-ci ont des droits sur nous. Et on a des devoirs vis-à-vis d'eux. Et les liens de parenté sont sacrés en islam. Pour vous dire que même si c'est des koufars, Allah Ta'ala a dit, et s'ils te combattent pour que tu me donnes quelconque associé pour lequel tu n'as aucune science, alors ne leur obéis pas, mais accompagne-les dans ce dunya, dans les choses de dunya ma'roufa, d'une bonne manière. C'est-à-dire ça, c'est celui qui te combat pour que tu fasses du shirk. Tu dois être bon avec lui, dans le dunya, dans les choses matérielles. Une fois qu'il meurt, c'est fini. Le dunya, c'est fini. Tu te désavoues de lui, il se désavoue de toi. Mais même de son vivant, en dehors des choses de dunya, halal, en dehors des choses de dunya licites, tu te désavoues de lui, de sa religion, de sa personne, de son kufr. Respecter les plus âgés. Une fois, deux frères sont venus entrer au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui. Un a commencé à parler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Kabbir, kabbir », il a dit « le plus grand, tais-toi, le plus grand », jusqu'à qu'il l'a fait taire. Et il a laissé le plus âgé parler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne fais pas partie des nôtres celui qui ne respecte pas nos grands et celui qui n'est pas miséricordieux avec nos petits. » Donc le grand en islam, il doit être respecté. Le grand en âge. Le grand en science. S'il a une grande place dans la société, on le respecte aussi pour ça. S'il est respectable, c'est pas une grande place dans la shaytanerie. Une grande place, barakallahu fikum, dans quelque chose de respectable. D'ailleurs, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoie une lettre au roi des Byzantins, il dit, il a Kisra Azim al-Rum, le grand des Romains, des Byzantins. Parce que c'est ça, c'est vrai. C'est le grand des Byzantins, même si chez Allah, il est petit. Voilà. Aussi, on doit faire miséricorde aux petits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jouait avec les petits, il leur passait salam, il écoutait leurs besoins. Une petite fille, elle le prenait par la main, elle l'emmenait partout où elle voulait à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la suivait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est responsable de tous les musulmans, il a que ça à faire, suivre une petite fille qui le traîne partout dans les rues de Médine. Elle vient, le prend par la main, elle le traîne où elle veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la suit. Et une fois son petit-fils, il était sur son dos dans salat, un sahaba tellement le sujoud, il était long, ils ont levé la tête pour voir qu'est-ce qui se passe. Après, quand ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en sujoud encore, il y avait son petit-fils sur son dos, ils ont remis la tête. Après, ils lui ont demandé, certains qui n'avaient pas vu, ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, il y avait mon petit-fils sur mon dos, il y avait mon fils sur mon dos. Je ne voulais pas, je voulais lui laisser le temps de descendre comme il veut, sallallahu alayhi wa sallam. Il était dans le Jumu'ah, il a vu son petit-fils devant lui qui allait tomber, il l'a récupéré dans le Jumu'ah. Après, il a dit, si les enfants, c'est une fitna. Même lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été éprouvé par l'enfant. Il a vu, il a eu peur pour lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, il a porté Umama, sa petite fille, la fille de sa fille, dans Salat. Il l'a porté alors que c'était lui l'imam, il la porte. Donc, voilà comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les petits. Quand il passait, il voyait un groupe de petits, il leur disait salam alaykoum, il leur passait le salam. C'est pas comme certaines personnes âgées. Ils passent pas salam aux petits, ils leur parlent pas. Comme s'ils existaient pas. Comme si c'était des choses. Ils passent à côté de lui, comme si c'était des poteaux. Des petits, ils les voient, ils disent pas salam alaykoum, ils les regardent de travers. Assalam alaykoum. Enseigne-leur le bon comportement. Enseigne-leur salam. Sois un bon exemple. Sois miséricordieux avec les petits. Sois doux avec eux. Un petit, c'est fragile. Plus ils sont jeunes, c'est fragile, c'est sensible. Il a besoin d'affection, il a besoin d'attention. Voilà, donc il a parlé de tout cela.
et les deux autres choses qu'il a citées, c'est féliciter quelqu'un qui a eu un nouveau-né, faire les condoléances à quelqu'un qui a eu des difficultés ou des épreuves ou des pertes, et d'autres parmi les politesses et les règles de bienséance de l'islam. Naam. Féliciter un nouveau-né, il n'y a pas une dua spécifique qui a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la manière de féliciter une personne pour un nouveau-né. Mais ça a été rapporté de certains salafs, de certains parmi les tabi'in, qu'ils faisaient une dua, et ça c'est bisanadin sahih, et ils disaient جَعَلَهُ اللَّهُ مُبَارَكًا عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Qu'Allah le fasse une bénédiction pour toi et pour la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une dua que certains salafs disaient quand quelqu'un, il avait un nouveau-né. Faire les condoléances à une personne qui a eu des malheurs. Donc, la soutenir, une personne qui a perdu des proches ou qui a eu des difficultés, on doit être là pour la soutenir et lui faire les condoléances. Et il y a des dua aussi à apprendre en cela. Et l'importance, après, c'est pour ça, d'ailleurs, on va parler après cela dans deux chapitres de l'Al-Janaza. Tout ceci, Inch'Allah, ça fait partie des politesses et des règles de bienséance que les musulmans doivent respecter les uns envers les autres. Fabarakallahu fikum. Vous voyez ici que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, autant il a donné une importance à la aqidah, qui est la base, et au iman, puis la salat et le wudu. Tout de suite après, il a parlé de quelque chose qui va ensemble, qui va avec, qui est les mœurs, l'éthique, le bon comportement et les règles de bienséance que chaque musulman doit respecter dans sa vie. Car l'islam, elle est venue régler notre relation avec Allah d'abord, avec nous-mêmes, avec nos proches et avec tout le monde, les musulmans, les koufars, qui que ce soit. Donc le musulman doit respecter toutes ces règles pour être un bon musulman. D'ailleurs, pour finir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez, il avait un voisin, des voisins juifs, qui n'étaient pas bons avec lui. Et pendant plusieurs jours, il a pas eu de nouvelles d'eux. Alors, il a été les visiter. Et il a vu qu'ils étaient, leur fils était malade et qu'il était sur le point de mourir. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de faire l'attestation de foi, de faire shahadatain, d'entrer en islam. Et ce petit a regardé son père. Son père lui a dit « Atir Abel Qasim, obéis à Abel Qasim ». Et il a fait shahadatain, il est entré en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Son visage était rayonnant comme la pleine lune. Et il a remercié Allah tabaraka wa ta'ala qu'il a sauvé une âme de l'enfer. Donc regardez comment le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des voisins mécréants. Donc, nous qui vivons ici dans ce pays-là, barakallahu fikum, bien sûr, il faut en premier lieu avoir un bon comportement avec les musulmans et aussi avec les gens qu'on fréquente parmi les mécréants, que ce sont les voisins, que ce soit dans le travail, que ce soit dehors, montrer une vraie image de l'islam pour qu'au moins on gagne des hasanats à travers cela, même si eux, certains d'entre eux ont la haine, mais certains sont, c'est une grande partie sont objectifs, inshallah. Et au moins, même s'ils n'entrent pas en islam, ils n'auront rien à dire contre les musulmans. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qur rabbi zidni ilma.